Bonjour, aujourd'hui je vous présente le set de pinces de serrage de chez Parkside. Alors oui, vous n'avez pas le décor d'habitude, vous avez un décor aujourd'hui de mer. Ça vous changera un petit peu. Donc, je vais ouvrir cette boîte, hein, libérer le carton et vous montrer comment c'est composé. Alors, une fois qu'on a enlevé le carton, mallette, comme à chaque fois chez Parkside, on ouvre et qu'est-ce qu'on a? On a 2, 4, 6, 8 petites pinces de serrage et 2 plus grandes. Donc, c'est les pinces style comme les pinces à linge, les pinces à ressort avec un ressort très puissant. Ça se sent. Puis nous avons 2 serre-joints, voilà, on appelle ça les serre-joints à pompe, alors 2 de la même longueur, voilà, l'autre est là, hop, on range comme il faut dans le bon sens. On a 3 serre-joints, donc 1 de 75, 1 de 50 et 1 de 25. Et pour finir, on a ceci qui est aimanté. Voilà, ça colle. Et à quoi sert cette chose-là qui est aimantée? En fin de compte, il y a des fentes. Et ces fentes correspondent en fait à un serre-joint, à un deuxième serre-joint et à un troisième serre-joint. C'est-à-dire que votre serre-joint, si vous avez besoin de faire quelque chose de minutieux, et bien ce serre-joint, vous le glissez dans la fente qui correspond à la largeur du serre-joint et vous pouvez vous en servir comme un mini étau. Voilà. Et donc, il peut se tenir sur une surface métallique dans toutes les positions, à plat, vertical. Et pourquoi ai-je acheté ceci? Alors, ce n'était vraiment pas prévu. Et bien, tout simplement, c'est pas pour dire de présenter du matériel Parkside. C'est tout simplement parce que j'ai mon disque de l'Equinox qui a cassé à nouveau. Et comme vous pouvez voir que je suis au bord de la mer, si je veux faire les plages, qui sont là et qui sont là entre autres, il faut que je répare ce disque pour qu'il soit fonctionnel. Voilà. Alors, nous voici rentrés au chaud et je vous présente le disque qui a répété. Donc, voilà la catastrophe. Les bouts de plastique sont là. Et pour réparer, ce sera du style de colle, c'est-à-dire de la super glue et de la Loctite pour renforcer. Allez, on fait ça. Et puis, c'est reparti pour un tour. Ah, voilà, j'ai mis de la colle, j'ai renforcé tout autour. Sur le dessus. Et puis, bien sûr, entre les deux pattes. Ça tiendra normalement, je pense, un certain temps. En attendant de pouvoir avoir le kit de Dream Concept qui remplacera ce système. Voilà. Allez, sur ce... A plus, ciao.